Preciosa cerveza. Donc ça c'est le parc du Rio Medellín, Miralchín. Je suis passé hier avec Juan à vélo, mais pendant que tu passes à vélo, tu peux pas faire des photos, c'est compliqué. Questo è il parco del Rio Medellín. Ci sono stato ieri con Juan in bicicletta, ma mentre pedali è difficile far foto. Soprattutto che ci siamo passati anche perché è grande, è molto grande, va molto lontano. Ci siamo passati, ma non ci siamo fermati. Per cui ne approfitto oggi per farvi vedere un po' questo posto. Ne approfitto aujourd'hui pour vous montrer un peu l'endroit. Donc le fleuve, il est pollué comme toujours. C'est le Rio Medellín, voilà. Voilà, il y a son oiseau là. Le fleuve, il est horrible tellement il est pollué. Mais en même temps, voilà des gens qui ont du mal à mettre ensemble les déjeuners avec les midis et le dîner. C'est compliqué de leur demander. C'est compliqué de leur demander de faire attention à la nature, tu vois. Gente che ha difficoltà a mettere insieme la colazione col pranzo e con la cena, è complicato che gli farà attenzione alla natura, per cui effettivamente lo stato della natura, che è bellissima, vi assicuro, la natura in Colombia è bellissima, la natura in Colombia è magnifica, e pourtant il y a ces gens d'histoire, mais voilà, qua, il faut quand même relativiser un peu, sarà per le uone e le fait che effettivement il y a pas mal de gens qui ont du mal à mettre deux repas dans la journée, quoi, donc... Voilà quoi, faut pas trop être trop serré du cul quoi. Le parc il va d'ici, donc ça commence ici, mais il va aussi par là, donc là-bas c'est la salida, c'est la sortie, mais après il va aussi de l'autre côté du fleuve, mais il passe là au moins deux ponts quoi, donc il est vraiment très très loin. Expliqué hier que toute cette zone, donc ça a été réhabilité dans la mesure où il y avait rien. Par ici, il y avait un quartier assez défavorisé. De l'autre côté, non. De l'autre côté, c'était un bon quartier à peu près. Et donc, les gens du bon quartier, quand ils ont décidé de faire des interventions de ce côté-ci, ils n'étaient pas trop d'accord. En se disant, bah voilà, les ponts et tout ça, ils vont venir. Et puis finalement, non. Finalement, ils ont réussi à accepter, surtout que c'était un moyen d'intégration. C'est quelque chose sur lequel ils misent beaucoup ici, la question de l'intégration sociale, de la mixité. Après, tout est relatif, parce que tout le monde sur les collines, bah voilà, c'est autre chose. È una cosa su cui puntano molto, su cui fanno in ogni caso sembra molta attenzione, la questione della mescolo sociale, l'integrazione, insomma di non fare dei ghetto, eccetera. Poi è chiaro che se vai sulle colline, beh, è tutto relativo e ti rendi conto che insomma ci sono dei posti dove non si può semplicemente fare l'integrazione e il mescolo sociale, come dice l'uccello. Allora, una cosa da dire sul parco del Rio Medellín è che non c'è ombra da sta parte, di là ce n'è ma di qua no. Allora, sai, una cosa da dire, se c'è pas d'ombra da scotte sì, gli alberi sono ancora petiti, sono delle cose assez recenti, c'è-à-dire che jusqu'à 1995, 16, come ça, il y avait il narcotraffico, le cartelle e compagnie, e... Basta, c'est pas la peine d'imaginer d'autre chose que de s'occuper de ça, quoi. Et donc, au début des années 2000, la modification de Medellín, les modifications de cette ville ont commencé au début des années 2000. Il y a quelque chose d'intelligent là, donc si c'est intelligent, je vais voir parce que ça me concerne. C'è una cosa intelligente lì, intelligente, vado a vedere perché mi sento, mi riguarda una cosa intelligente, sono scemo come un asino, imparo qualcosa. Dunque una storia di turismo intelligente, c'è una storia di turismo intelligent avec un petit panneau qui dit jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de service pour le public dans les centres de turismo intelligent. Donc voilà, ça c'est encore plus intelligent, disons-le comme ça.
Lì le persone sono lei. Saccogna, saccogna grave. È il caracolo africano, ah! L'escargot africano. Ok, da 7 a 13 cm deve esserci in giro, per cui escargot avec le beurre à l'ail. L'escargot con burro all'aglio, da 7 a 13 cm, mangi insomma, mangi di bestia. Che schifo, Madonna santa.